Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve pour la découverte de The Binding of Isaac. Donc The Binding of Isaac, c'est un jeu un peu à l'action-aventure où tu vas avoir plusieurs pièces, plusieurs étages avec des ennemis et des boss. Et va falloir voilà, se stuffer, être de plus en plus puissant pour être de plus en plus efficace contre les ennemis. Donc là je suis au premier niveau, si je puis dire, au premier étage. Donc il y a plusieurs salles pour chaque étage et en fait à chaque étage il y a un boss. Et à la fin... Au dernier étage, au dernier truc, il y a un putain de boss de taré. Évidemment, il va falloir l'éliminer. Alors, on n'aura pas le temps, évidemment, de le faire dans cette vidéo. On va essayer de faire 2-3 étages, je dirais, durant cette vidéo. Donc là, on incarne Isaac. Donc, je vous passe l'histoire parce que vous ne l'avez pas vu, elle n'est pas très très importante. En fait, en gros, c'est un petit qui pleure parce que sa mère l'a un peu envie, un peu lui péter sa gueule en fait. Parce que Dieu, tu vois, il est arrivé, il a dit à sa mère, écoute, Ghislaine, ça n'existe pas, je m'en bats les couilles. Écoute, si tu sacrifies pas ton fils, je te nique ta grosse mère. Et du coup, voilà, la mère elle est un peu vénère et elle a un peu envie de lui péter la gueule. Du coup, il s'est réfugié dans le grenier, je crois, il me semble que c'est dans le grenier. Pour fuir évidemment sa mère est dans le grenier, il y a plein de monstres comme on peut le voir. Alors là c'est la salle du boss, sauf que je vais pas encore y aller. Avant d'aller dans la salle du boss, je vais prendre, j'ai vraiment tout, un shop. J'ai vraiment tout exploré, bon j'ai vraiment pas d'argent donc ça va pas me servir à grand chose. Donc on va redescendre, on va faire, on va aller dans les pièces voilà inexplorées et après on verra. On ira peut-être au boss, ouais je pense qu'après celle-là on ira au boss. Ploup, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça doit être... alors attends, comment on les utilise des jokers? Attends deux secondes, je vais juste regarder. Change control. D'accord. Ok, ça voulait dire va te faire foutre, donc pas de problème. On va au boss. Donc du coup, je sais pas quelle touche c'est en fait pour utiliser ma... Non, ça c'est les bombes. Aïe. Bah je sais pas. Je sais pas, bon c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Ah moins que ce soit... Ah non, peut-être espace. Donc premier boss, Monstro. Monstro est très facile à battre par contre. Hein. Ah voilà, c'est espace, ok, pas de problème. Quoi, ça sert juste à mettre une merde? Mais quelle est l'utilité? Y'a pas d'utilité à ce joker, sans déconner, hein, sans déconner. Hein. Les développeurs, tu vois, il leur restait 3 jours avant la sortie du jeu, ils savaient pas quoi foutre, ils ont fait, allez, c'est parti, on va mettre des jokers qui servent à que dalle. On va s'amuser. Donc pour l'instant, ça va. Il est pas très très compliqué à battre. Olé. Par contre, des fois, il a une range... Il commence à roter là, on le sent. Hein. Ok, pour l'instant ça va. C'est, en fait, Monstro c'est un des boss les plus faciles. Il faut juste bien faire gaffe et normalement ça passe, mais sans problème. Tu vois là, pour l'instant j'ai pas encore perdu de vie, donc on est large. Il commence à être un peu vénère par contre parce que là, automatiquement. Il a plus de vie et c'est bon, ok. Donc on a battu le premier boss du premier étage. On va récupérer, hop, the belt, speed up. Bon, je crois plus vite, ok. Pourquoi pas. Et là, le cœur, je peux pas le ramasser parce qu'en fait, je suis déjà full life. Donc, attends, on va le faire glisser à la trappe. Non, en vrai, c'est pas possible, mais je m'en fous. Attends. Ah, putain, c'est trop dur. Allez, non. Là. Ah, bon, c'est bon, tu me fais chier, c'est bon. J'arrête. Bon, là, on va avoir une petite histoire, hein. Ah! Attends, est-ce que c'était... Attends. Oula. Bon, j'ai pas tout compris, mais c'est pas très grave. Donc on arrive au deuxième étage. Alors évidemment, là, les ennemis vont être un peu plus vénères. Ce qui me paraît totalement normal. Genre déjà, il y a des noirs... je rigole. Les mecs, je rigole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, accordez-moi un peu d'humour, même s'il est pas très joli. On essaie de faire du monde. Voilà, la prochaine fois, je ferai des... Voilà, j'ai fait une blague. Voilà, maintenant, il faut que je fasse des blagues sur les blancs. Allez, c'est parti. Sinon, ça va pas le faire. Sinon, après, on va encore me dire que... Oh, William, t'es raciste. Écoute. En plus, il était même pas noir, il était cramé. C'était pas la même chose. Il était dans le feu, il était parti dans le feu. Bon, ok, je suis en train de m'enfoncer. On va arrêter avec ce genre de blague. Clairement, ça va pas me mener loin. Non. Il y a Big Mama qui se ramène. C'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf. Hein. On va faire gaffe. J'ai que un cœur et demi alors que j'ai passé que 2 salles. Attends, si je mets une bombe là, ça va m'en donner 2. Donc, normalement... Ah non. D'accord. Ah non. J'ai cru que les bombes allaient me... Ok, non, que dalle.
Bon, là, il y a des mouches. Rien de sensationnel entre nous. Hein. On a la salle du boss ici, mais je vais pas encore y aller. Parce qu'avec un cœur ennemi, j'ai un peu souffrir. Oula, par contre, j'ai mon jeu qui lag un peu. Il y a un coffre doré, on va y aller. On va le chercher, on va voir ce qu'il y a dedans. Un item ou de la vie, ce serait vraiment vraiment cool. Ah, par contre, j'ai pas beaucoup de... Ah, ok. Des bombes et une clé. Ok. Il s'agit que dans l'autre coffre, il y ait quelque chose et ce sera vraiment... Ça va vraiment pouvoir nous aider parce que sinon, trop la galère. Du fric. Oh, en vrai, si on arrive à trouver le magasin est là-bas. Si on arrive à trouver le magasin, c'est cool. Par contre, j'ai des petits freezes. Bon, ouf ça. C'est vraiment pas ouf ça, ouais. On va aller dans le magasin, on va aller s'acheter de quoi se stuffer un tout petit peu pour le prochain boss parce que je pense qu'il sera pas... Qui est-ce que c'est que ça? Il y a le blanc et un truc rouge de sang, ça doit être le paradis et l'enfer, une connerie comme ça. Moi je suis un saint, je prends le paradis. Temporairement invincible, ok, ça c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Bon, je vais prendre le temporairement invincible, je pense que ça va pouvoir m'aider plus d'une fois pour le boss. Et on va aller faire le boss avec un cœur et demi, ça va être chaud, ça dépend qui c'est. Oh merde. C'est clairement pas le boss à faire avec... Quoi? Quoi? Non, oula, je suis pas signé pour ça moi. J'ai pas signé pour ça, c'est pas une blague hein. En plus ils ont des mouvements complètement aléatoires, genre j'ai aucune idée. Genre ils me suivent même pas tu vois, je peux pas les brains. C'est l'algo, le mec, le programmeur, il est arrivé, il a fait « Allez, c'est parti, on va faire... » En plus, il chie de la merde partout, là. J'ai vraiment peur. On va continuer. Là, pour l'instant, on galère. Alors, attends. Pour l'instant, ça va. Je me suis pas encore pris de dégâts. Oula, ça passe tellement proche. Hop, allez, invincible, je m'en fous. Salut, je suis invincible, hein. Tu peux y aller, hein. Voilà, comme ça on est sécur. L'invincibilité qui part, qui s'en va. Ok, il reste plus que le petit dernier. Et c'est bon. Ok, cool. Bon, je me suis pas pris un PV finalement. Donc franchement, par contre, ils sont hyper compliqués. Et ça, c'est range up. Cool ça. Ah oui, effectivement. Alors à gauche, j'ai une autre salle, je sais pas quoi elle sert. Je vais y aller, je m'en bats les couilles. Oh. Ça va être un truc où une chance sur deux chances sur trois, je vais me faire un peu enculer. Alors attends, ben moi je prends le 2. Ok, c'est pas le 2 qu'il fallait prendre. Non, c'est pas le 2, c'est pas trop le 2 qu'il fallait prendre, hein, clairement. Mais quoi? Ah, mais sauvez-moi. Ah non, ça c'est pas bon ça. Ok, ces araignées sont avec moi, d'accord. Et ça, je sais pas. Aïe, je sais pas ce que c'est. C'est des pilules, aucune idée à quoi ça sert. Et on va au dernier, enfin, on va s'arrêter après parce que sinon là, la vidéo va durer une demi-heure, c'est pas cool. Fais voir ça. Oh, Issou, on se marre. Oh, Issou, c'est con. On se marre ici. Par ici, il y a de la drôlitude, c'est génial. Bon, du coup, j'ai mes araignées avec moi. Mes araignées. Oui, parce que moi, jusqu'à 12 ans, je disais araignée et pas araignée parce que j'avais de la merde dans les oreilles, voilà, c'est tout. Et on est parti, alors attends, oula, ah oui, ça c'est les merdes, alors ça c'est la merde V2, tu vois, c'est la merde qui te dash dessus. Genre elle a vraiment zéro respect quoi, ça. C'est quand même assez compliqué. Hein. Ok, donc là, ça c'est fait. Ah là, ok, t'as une, oula, alors là il y a la merde V3 du coup, j'imagine. Ah non, par contre c'est trop le bordel ici. Hein. Oula, je peux pas utiliser mon joker là, no joke. J'ai crevé! Je suis mort. Bah. Ok. Bon, ben merci beaucoup. Bon, de toute façon, je comptais pas aller plus loin. Donc, c'est pas très très grave. Mais putain, arrivé à là, tu vois, c'est là où normalement je devrais avoir beaucoup plus d'items, beaucoup plus de cœur et de vie. Parce que là, je t'avoue que j'étais un peu de la main noire. Voilà, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, voilà, bon, on va s'en aller du coup. On va revenir sur le menu de The Binding of Isaac. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésite pas à noter du coup la vidéo. Pouce bleu, t'as aimé, pouce rouge. C'est un peu du caca, comme mes ennemis dans ce jeu. Je suis désolé de vous péter les oreilles chaque fois, mais je suis obligé de le faire. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir laissé cette vidéo. Comme ça, une très bonne semaine à tous pour une prochaine vidéo. Ah